Elle te trompe pas. Oh, l'explosion m'a repoussé en l'air. Mais quoi? Attends, qu'est-ce que c'est qui t'a repoussé? C'est l'explosion du véhicule. Mais toi, t'es pas si choqué que ça, toi. T'es... Oh, c'est bon, ça m'a repoussé. C'était pas... Waouh, non, c'est normal, quoi. Non, parce que grâce à ça, du coup, on est pas mort. Non, mais oui, mais c'est sûr. Oh putain, je vais retomber. Non, c'était sympa, quand même, comme expérience. Après, ouais, c'était rigolo, en tout cas. C'était rigolo. Tu veux qu'on fasse le tour par l'arrière pendant qu'ils sont occupés? Ou qu'on turtle? Comme on fait. Ici, non, par là, par là. Ça devrait le faire. Un bientôt mort. Mort. Et viens là-haut, rejoins le haut du coup. Non, ce que je veux dire, c'est que pour éviter l'ulti dans le larme, en fait, si tu... Je suis une fois dans le larme. Bien vite parce que ça va. Je suis pas peu fier de mon play. C'était extraordinaire. C'est en dessous de nous. Tu veux qu'on attende mon ulti s'il te reste des grenades? Ah bah vas-y. Hein. Vas-y, je saute. Je l'ai pas, je suis un con. Il a même pas de shield. Hein. Ouais, ouais, je l'ai tout mis. Il est tout seul? Ouais, il est tout seul, bah vas-y. Le shoot. Mec, j'étais dans les scooters, je sors, je dois me mettre à shoot. Mon écran, c'était beaucoup plus impressionnant. Puis je vois tous les deux vous mettre des patates. Je me suis dit, il n'y a plus de limite. Mec, ils se sont dit, on finit ça comme des bonhommes, au point. C'était ah frère, j'ai mis un pied bouche là, c'était extraordinaire. Bah j'ai entendu, ça fait... au loin. Ça a l'air joli aussi. On dirait trop la ville où Dragon Ball Z il va dans la salle du temps. Où sera Dragon Ball. Oh là là, la ville où Dragon Ball Z. Où Dragon Ball Z il est prêt à faire le Kamehameha. Dragon Ball Z. Ouais, vraiment gentil. Dragon Ball Z. Vraiment. Trop choqué. Il change les paroles. C'est pas ça, Catherine, les chutes. Bah, ça de il sent un peu d'épsée. Ouais, j'allais dire. Elle s'est chichée, elle est pas contente. Et Vegeta, et non plus. Il fait la tête. Il part sur deux frères. Oui, c'est clair. J'ai envie d'écouter le générique. Oh non, mec. Oh, l'écho est folle. L'enjeu, c'est ça, Gohan. Putain, mais en fait, c'est nul. J'avais jamais réalisé. En fait, elle relate juste des faits. C'est comme cette blafrite, là. Son père était infirmier. Sa mère était secrétaire à le roi Merlin. Elle a fait une fausse couche à ses ânes. Ça devient trop privé, genre. Mon père était un héros. Il ravivait le pouvoir d'achat. Il mange des chats. Oh putain, mec, je suis mis plein de balles. Il est là, il est à côté de son pote. Qu'est-ce qu'il a? C'est toi, le frérot, t'as une poussée avec nous ou quoi? Ça fait chier, mec, j'aime pas quand c'est le bordel et qu'ils nous tirent tous dessus, mais j'aime pas quand c'est le bordel et personne nous tire dessus, tout le monde s'en va. Ça commence à être vraiment dur d'être trop fort, je dis. Ça me... Je vais partir après, frère, parce que ça me... J'aime trop, parce que toi, ça sonne vraiment sincère. Merde, là, juste là. J'ai un 58 sur le... Crypto, je crois. Ouais, je l'ai niqué, mais il a... Ah, d'accord. Elle met la tourelle sur la tombe de Crypto. Vache. Ah, je perds, il y a deux. Ouais, elle a... En fait, fais gaffe, on en a fait deux. Voilà. On a fait, mec, on a fait un assaut du JGL. Fais gaffe, je suis pas avec toi, je suis en bas. Mito, mec. Mito. Je vais recharger mes armes et je vais me mettre dans ça. Là, là, ici. Vas-y, je fais le gistre. Il y a
Ah mais d'accord, en fait c'était pas du tout fini. Ici. On a plus de shield. Hop là, viens là. Tu m'as fait rire quand tu t'es fait mettre au sol là. Ouais. Mito. Il pète comme un rat. En fait, chaque balle qui touchait me mettait genre moins 10 000, donc je me dis bon, c'est une arme qui fait mal, donc pas la suite, elle fait pas très mal. Et malgré ça, elle a tiré un chargeur de 167 balles. Et son chargeur, il s'arrêtait pas. Je dis bon, à la fin de son chargeur, je me barre en courant, puis bon. Ta. Peut-être finir au moment. Mito. Mito, je recours vers toi à fond. C'est pour ça que j'ai dit Mito, c'était incroyable qu'il ait eu dans son chargeur. Non mais là, il faut que j'aille aux dans pas longtemps là, parce que vu l'odeur du paix que je viens de lâcher, je pense que ça peut tuer un chat, donc franchement, il a pas un système immunitaire, c'est conséquent. Le mec qui pète, son chat meurt. Ah, c'est gros. Figo, il tombe de l'étagère. Bah, c'est gros. Il s'en fout de boue, ce chat. À mon avis, il doit être fatigué. Attends, je suis pour donner ses croquettes. Le chat est mort, en fait. Il tombe de l'étagère. Oh, le... non. T'entends, bla. Tigrou, tu m'as fait sursauter. Tigrou. Allez, viens manger ton pâté. J'ai sursauté de ouf. C'est l'esprit de Tigrou qui vient nous hanter. T'as traversé le laser, je suis une merde, Mirage, il pète des... Putain, j'étais trop concentré, j'étais mal esquive. Pourquoi moi? c'est moi qui prends. Oh, y'a un club qui s'appelle Wimagatsé. Ah ouais? Ouais. En fait, je sais même pas ce qu'il dit. Wimagatsé. Mais ça veut dire quoi? Ah, gâté, je crois que c'est un truc pour... Marseillaise pour dire genre le frérot, tu sais. Pourquoi Wimagatsé? Écoute, je vais aller voir sur Genius. Genre, j'ai regardé, j'ai tapé Wimagatsé sur Google et ça m'a dit Marie Gatsé, 26 ans sur Marmiton. Du coup, bon, j'ai abandonné. Il va sur bande organisée. Et... Ouais, mais ça met juste les lyrics, donc bon, je m'en fous un peu quoi. Oh quoi? Comment il a fait ça? C'est fou? Ah, je suis mort. Oh, vas-y frère, je suis deg, ça avait trop marché. Mec, il a tenu sa grenade, il m'a regardé en mode. Non, toi, t'as l'air trop bête, puis j'ai vidé mon chargeur sur lui. Il m'a regardé en mode. Ah! Trahison! J'ai oublié. Comment il m'a mis. Ah ouais, il m'a mis un tir-tête. Putain, il m'a mis un tir-tête alors que je glisse, il a bien joué. Oh, bon, pas celui que j'ai tué. Moi, il a pas bien joué. Hein. Mec, c'était génial. Il y avait une grenade incendiaire, j'ai couru devant. Oh, man, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, l'herbe. Il m'a regardé en mode. Non, c'est pas lui, ça. Je reconnaîtrais un mirage entre mille. Et je suis quitté mon chargeur. Oh, s'il y avait pas deux teams différentes, encore une fois, mec, je suis sûr, on aurait survécu de ouf. Je me mets un plateau sur la lèvre, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais chasser les gibiers. Oh non, le truc. Arrête. Je vais looter la box. La contenir, tu putain de chasseur. Alex, le lion de Madagascar. Alex, le lion malgache. Gloria l'hippopotent. Melma la girafe. Marty le zèbre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Marty le zèbre. Allez, un troisième longbow. J'aime bien mettre des copies d'armes. Moi aussi, il faut la même arme dans le même bâtiment. C'est... Ah ouais. Toujours fun ça. Vive l'éclectisme. Plutôt éclectique. Éclectique. Ecclésiastique. Oh, les pauvres personnes qui parlent naturellement comme ça. Mais moi, il y en avait un, il s'appelait Esteban. Du coup, il avait un peu bien son prénom. T'appelles comment? Putain. Bon, E-S-T, mais non plus. C'est sur le C, hein. Il y a sur le C, hein.
Je sais pas ce que tu vas comprendre, c'est pas... S banane. Non, S. Je suis un SJMC aussi. Il jouait au handball avec moi. Ah, handball avec moi, il peut le dire bien. C'est des mots qui prononcent parfaitement en plus. Bonjour, je suis Esteban. Je suis très ravi de faire ta connaissance ici aussi. Il y a un stabilisateur. Oui, putain, on avait un prof aussi qui zozotait. Mais c'était la première fois de l'année qu'on le voyait. Et un pote qui avait l'appareil dentaire pour la première fois de sa vie, tu vois. Donc, du coup, ça lui faisait mal aux dents, il zozotait un peu aussi, mais pour pas que ça lui fasse mal. Et donc, du coup, le prof, au bout d'un moment, il fait désolé, je suis au courant de mon handicap, pas besoin de se moquer de moi. Il fait ah non, mais ça fait pas exprès. C'est mal. Et donc, les mecs, ils faisaient ah, pas de soucis, je comprends. Ouais, merci beaucoup. Le prof, ça m'avait fait trop pitié. Je suis. Même pas, il a dit faut pas se moquer. Non, non, je suis au courant de mon handicap.